he sailed on, cannons blazing in the night, had shiny daggers for his eyes in kryptonite. With lasers, with every light he had, came the wash of light. Eh bien mes chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Je suis en compagnie de Nicolas Joaquin Guess, que vous connaissez déjà un petit peu j'imagine pour certains, en tout cas si vous avez vu les vidéos que j'ai faites avec lui au sujet de ses clubs, de ses fers à taille constante. Et donc nous sommes sur le golf de Carignan, à côté de chez moi, à côté de Florac, à côté de Bouliac, un superbe cadre. Voilà, nous sommes ici sur un green en île. Où va se dérouler d'ailleurs très prochainement une compétition que j'organise qui va réunir 5 femmes contre 5 hommes. Mais avec, et Nicolas sera participant et je te remercie de cette compétition. Tu viendras faire un petit clinique à l'occasion de cette compétition. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes là pour vous parler d'une idée de stage qu'on a eue sur 2 jours, qui aurait lieu donc ici. Qui pour moi, est un lieu vraiment très approprié à ce type de stage puisque c'est un lieu totalement privé, privatif. Donc ce stage on aimerait recevoir donc sur 2 jours, qui va se dérouler début septembre, a priori sur un week-end début septembre, les dates ne sont pas encore totalement fixées. 2 jours, 2 bilans avec Nicolas et avec moi, 2 bilans bien sûr de la technique du golf, du swing de golf, mais aussi je pense qu'on parlera un petit peu de stratégie, de mental, enfin bref, avec Nicolas on va essayer d'aborder tous ces compartiments essentiels, et puis avec moi évidemment ça sera toujours la même thématique, les clubs de golf, le matériel, le sur-mesure, essayer donc de faire un bilan le plus complet en 2 jours de vos clubs de golf et de votre swing de golf. Ce qui est intéressant, c'est que moi quand je donne des cours de golf, souvent j'arrive assez vite au matériel et là j'aurais envie que tu sois là à côté pour leur dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, son putter est trop long, son sandwich est trop léger, etc. Oui. Des choses comme ça. Et donc là, on va pouvoir le faire. Absolument. Et là, c'est ça qui va être hyper efficace. C'est le but. Oui, efficace, ben c'est le but. Hein. C'est vraiment le but. Moi, je suis quelqu'un de très concret. J'essaie d'être le plus efficace possible. Je pense qu'en 2 jours, on peut vraiment faire donc une forme d'atelier. On partirait du putting, par exemple. C'est ce qui me semble la base. C'est bien de partir des petits coups, je trouve. Oui, les petits coups. Absolument. Putting, approche ici. Alors là, ici. Il y a de quoi faire tout type d'approche. Hein. Le paradis du petit jeu. On est au paradis du petit jeu ici. Hein. Donc vraiment des chips basiques, des coups lobés, des bunkers, des longues sorties de bunkers. Et puis un étalonnage de wedge jusqu'à 80, 90, voire 100 mètres. Donc ça peut être intéressant. C'est des coups particuliers. On le sait, c'est des coups qui représentent un pourcentage énorme sur une carte de score. Énorme de score. Énorme. Je crois que le putting, c'est quoi? C'est 40% en fait. Hein. Ouais, je sais plus, mais de toute façon, rien que les approches, c'est beaucoup. Putting, ça rajoute encore beaucoup. Donc, je sais plus les chiffres, mais oui. Oui, c'est phénoménal. C'est hyper important. Donc ici, Nicolas l'a très bien dit, on est vraiment au paradis du petit jeu. Il y a beaucoup de pentes aussi, hein, ça c'est très intéressant. Même pour le putting, il y a beaucoup de gauche-droite, droite-gauche. Dans les secteurs du jeu qu'on a tendance à pas trop travailler, hein, finalement, quand on travaille sur les greens à plat, et qu'on se retrouve après confronté avec d'énormes pentes. Hein. Quelle est ton approche? Je sais tes influences, Monorman, entre autres. When you talk about Monorman, you're talking about a legend. And I'm talking about a living legend because the public doesn't know Monorman. But you ask any golf professional, whether you're in Australia, or whether you're in your U.S., or whether you're in Great Britain, and you say, that's the Canadian guy that hits it so damn good, isn't it? And I says, that's him. He's a legend with the professionals. Je sais, c'est sûr que tu ne reviendras jamais dessus. A priori, non. C'est acté, tu es parti pour un tour. Tu ne vas pas refaire marche arrière, voilà. Et alors après, mon enseignement, c'est pas, j'enseigne pas le swing normal. Si quelqu'un vient me voir et veut ça, oui.
si quelqu'un arrive dans une position proche de mon normal, je vais dire t'es nickel, c'est bien, c'est parfait. Je pas, voilà, j'essaie pas de t'endoctriner tout le monde. Non. Moi j'ai mon truc à moi, c'est moi. Moi j'aime. Après moi j'enseigne par rapport aux personnes que j'ai. De façon assez classique quand même. On dit souvent qu'un bon prof de golf, enfin, qu'un bon prof tout court, c'est que ça a été un bon élève. Alors tu as été l'élève de qui, à part J'ai du mal à trouver des bons coachs. non, j'ai pas eu vraiment de coach attitré. J'ai pas mal changé. En 25 ans, j'ai vu beaucoup de coachs différents. Ouais. Je n'ai pas réussi à changer tous les 6 mois, mais j'ai quand même fait souvent des périodes de 3, 4, 5 ans avec des personnes, et après j'avais besoin d'autre chose, j'avais envie de voir quelqu'un d'autre. Personne, je n'ai pas une personnalité en particulier, mais du coup j'ai une grande expérience, parce que j'ai vu beaucoup de coachs, j'ai compris un peu les péteurs. On peut parler vraiment d'écoles de golf, oui, ça te parle quand même. Et combien, j'aurais combien d'écoles de golf aujourd'hui? Ah, j'ai aucune. Tant que ça, chaque coach est vraiment différent, l'école, sur la philosophie de pensée. Ouais, c'est pas moi qu'il faut demander ça, parce que je suis pas énormément intéressé à ça. Moi, ça fait que récemment que j'enseigne, et voilà, moi j'ai une vision des choses, et j'enseigne ça, et je pense être hyper efficace. Ouais. Après, ce que font les autres, malheureusement, je suis pas très bon. Et tu t'es quand même nourri de ce que tu as appris, même si c'est parfois... Ouais, de ce que j'ai appris, effectivement, en prenant des cours, en jouant, en regardant les autres. Et peut-être beaucoup, effectivement, plus de mon dernier entraîneur, avec qui j'ai travaillé peut-être 7-8 ans. Donc lui, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes qui me correspondent bien, qui correspondent bien à qui je suis aujourd'hui. Donc mon enseignement, ça découle pas mal de ça. C'est beaucoup un travail sur... vraiment arriver à faire un mouvement épaule-bras plutôt que les mains, le bas du corps très stable, et un truc c'était déjà présent sûrement sur les autres entraîneurs que j'avais côtoyés, mais c'était pas le même discours, et là maintenant je suis vraiment calé sur quelque chose. Et c'est quelque chose que tu fais, ce que tu travailles peut s'appliquer à des débutants même, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça requiert quand même déjà des bases solides? Ça requiert un peu d'expérience. Et à un débutant, je dis autre chose. D'accord. Un débutant, on est vraiment dans le vraiment plus simple. Ouais. C'est quand même un peu différent. Le débutant, tu vas essayer de lui enseigner des fondamentaux, d'alignement, de posture. Ouais, débutant, c'est assez facile. Il faut être capable de rester simple. Après, effectivement, après j'ai un programme pour décider pour tous les niveaux, du débutant jusqu'au très bon joueur. Alors moi j'aimerais qu'il y ait des femmes qui viennent nous voir pour ce stage. Est-ce que les femmes c'est un cas à part ou pas du tout? Non, c'est pas un cas à part. Ils ont souvent des problèmes de matériel. Oui, ça je sais. Non, c'est pas un cas à part parce que c'est le même actionnement. Voilà, c'est un peu comme des joueurs seniors ou juniors. Elles ont parfois un peu moins de force. Bien sûr. Pas toutes. Moins de levier, voilà, de levier de vitesse. Moins de tonicité des fois, mais ça on s'adapte. Ça n'empêche pas qu'on peut faire un très beau coup de fer 7 qui tombe à 90 mètres et péter pour d'un. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Mais l'enseignement reste le même pour moi. Après, je vois qu'il y a des limites physiques, quelle que soit la personne, pas parce que c'est une femme. S'il y a une limite physique, ça peut être un homme très puissant qui a mal au dos. On s'adapte au physique de la personne. Bien sûr. Alors pour rejoindre ce que je disais, donc des ateliers, donc il y aura bien sûr un atelier putting, un atelier wedging, ensuite un atelier fer, et puis même un atelier poids. Je pense que voilà, je pense qu'en 2 jours, effectivement, on peut couvrir tous ces fondamentaux du golf. Le but étant, le dimanche soir, lorsqu'on se quittera, de vous remettre un document avec vraiment... enfin, ce ne sera pas le dimanche soir, mais ce sera le lendemain ou le mardi, le temps de le rédiger. Mais en tout cas, un document qui fera la synthèse de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé, avec ce qui va et ce qui ne va pas, pour dire les choses clairement. Et puis les pistes d'amélioration. Et les solutions au niveau technique et les solutions au niveau du matériel. Tout à fait. C'est pour ça que je suis content de faire ce stage, parce que là c'est intéressant. J'ai tout de suite, t'es à côté de moi, donc tout de suite, voilà, telle personne, il y a tel problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, d'intervenir sur le matériel,
c'est intéressant. Eh ben c'est exactement la même chose de mon côté. Hein. Le nombre de sittings où effectivement j'aurais aimé avoir parfois un enseignant à mes côtés qui puisse trancher pour savoir si c'était un problème de club ou plutôt un problème de swing. Alors parfois, bien sûr, on arrive à le voir, mais parfois c'est difficile. Donc je pense que c'est ça. Peut-être c'est souvent mélangé, mais des fois c'est que l'un ou que l'autre. Ouais. Là c'est ça qui est intéressant. Ah oui, ah oui. Intéressant pour les gens aussi. Pour ce qu'on propose, ça n'a jamais été fait, je crois. Non, je ne pense pas que ce type de stage existe. Enfin, je connais bien la plupart de mes confrères clubmakers. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait eu l'idée de faire ce stage. Après, peut-être aux États-Unis, ça existe peut-être. Hein, ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà Nicolas. Donc, les dates ne sont encore pas fixées. Pour toutes les infos, si vous êtes intéressé par ce stage, qui aura lieu donc très probablement début septembre, écrivez-moi. Si vous avez toute question, bien sûr, d'ordre logistique, etc. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Objectif de ce stage, en termes de nombre de participants, je dirais entre 4 et 8 participants. Voilà, entre 4 et 8 participants. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à réserver le plus tôt possible, à venir donc passer un week-end, hein, tout simplement, à côté de Bordeaux, et davantage si vous souhaitez profiter de la région, du bassin d'Arcachon, etc. Voilà, une région très golfique et très très belle pour y venir passer quelques jours de vacances. Voilà. Merci de votre attention et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Voilà. Toi tu passes au-dessus, moi je passe en dessous. C'est pas mal. Une cheap putt pour gagner le Masters. Ouf, elle est donnée, elle touche le trou. Allez, c'est bon, elle était magnifique celle-là.